Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Père Bonheur TV. Papa Patience Fayoulou, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu Bamamou. Loi. Kele. Père Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Bonjour chers amis de la culture, bonjour. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans vos maisons pour que tout le monde soit là. Oyo, Ezali Bongo, Makambo, Teli Bongo, culture, la culture congolaise, notamment dans votre rubrique Boîte à musique. Boîte à musique, nous allons parler de ces méga concerts du 30 juin à Kinshasa, les concerts de Wenge Musica 4x4, BCBG, tout terrain, au Tietembe, au Moniango. Au Tietembe, au Moniango. Donc, concert, wana, Ezali Bongo, Ezali. D'abord, un concert, il y a retrouvaille des deux, il y a réconciliation parce que ça fait plus. 25 ans, Oyo, il y a séparation, il y a Wenge Musica, Bandeko, Wenge Musica, c'est toute une génération. Wenge Musica, c'est le dernier orchestre au Salamana Congo. Quand je dis groupe orchestre au Babimi, ba jeune Babimi, ba beta na orchestre ya mutu mon côté, ba bimi bongo, ba sali orchestre na bango, ba sali succès, ba kabon. Après bango, orchestre monte tikala au bima. Ba ono se bima nezala ba groupe ba individu. C'est un individu bimi to rôle ba neti vient na biso mukwa bongo mais c'est Google. Ou Félix Soizé quoi, bimi karama pas abimi, à ce groupe na mais bango bazala te que non bato yo groupe mon robotek ba leader rebelleté. Ou ngé musique ça dernier orchestre ça na. Ou bi sanga les marquis ba uta na maison mère. Uta ni académie ba uta na quartier latin. Donc Wenge Musica, dernier orchestre Oyo et Salama Nakongo. Alors, retrouvaille Nabango après 25 ans de séparation, Barobet en stade des martyrs. Papi Maurice Mbouiti, là maintenant, je te pose la question comme étant un artiste, un professionnel du métier. Tout ça, nous sommes là deux professionnels du métier dans le domaine art. Wenge Musica, Barobet à concert à Kinshasa. Bande comme sous Balobi, concert, il fallait pas bêta, parce que le jour indépendance, il faut tout canisa. Wenge Musica est bête. Lelo pour na yo Wenge Musica est symbolisé ni parce que question va tout n'en appeler ce soir. Bien bon ni mi ma musique mi Wenge ngwe mema nini. Non, au moni na mboka na biso il faut pas tous à tout confondre mon bébé. Au moni il y a chaque izana chaque domaine, izana il faut savoir répartir les choses clairement. Domaine à art et domaine à culture ezali, domaine il y a économie ezali. Donc alors Wenge Musica effectivement, c'est un lieu à patrimoine en tant que orchestre il y a mboka na biso RDC, c'est un mouvement de jeunes qui a commencé na bandalungwa biso ba la bandante biango jusqu'à ce que ça a pris de l'ampleur. Alors, Wenge Musica, c'est toute une génération. Mais Wenge Musica, c'est au moins génération à génération, ça rana groove nango memango. Alors, la musique ezali, la musique pour nous, horloge du temps. Horloge du temps, ezali, horloge moko mémoriel. Le la route musique moko na tie, nzemo moko tiene moko au kadima. Bah quand bon manga pour na yo kadima au moins les musiques on a autant bâtir au casier papa labino au bic ah na casier ta papa les choses alors qui a zéro ça boue les sous bâtir c'est mon mot au bic ah na casier héros et tout vent à Lubumbashi beaucoup les alors qui bien donc la musique ça fait partie de la mémoire, la musique ça fait partie de la culture, la musique c'est l'horloge du temps, l'horloge des époques et même l'horloge des émotions. Donc c'est clair. Alors mais au moins ici quoi l'ambo la biso loco la la musique en tant que culture mais c'est aussi un élément de divertissement, c'est aussi un élément d'éducation, c'est aussi un élément d'épanouissement, et ça peut être un élément d'expression. Alors bah tout ce qu'on est bâti à la mine est un élément de divertissement. Or le divertissement est aussi important dans l'hygiène mentale. Au moins ici biso de ça la pédagogie baby que il y a au moins la matière à la récréation. C'est à dire que botangi 4 heures bon, après aussi récréation. Pour que le paie maintenant beau sakana pour que alors il est prouvé scientifiquement que au moins ceux qui par exemple aux otanga sont tangi 2 heures
on a concentré 2 heures. Ce que on relâché au bimita, ne fût-ce qu'à ta 15 minutes, ton cerveau se régénère. Donc c'est important pour la culture, pour l'humain, d'avoir de la musique. Donc la musique, ça peut, n'importe quelle musique, c'est-à-dire que ce soit la musique classique, la musique gospel, la musique... Toutes les sortes de musiques sont importantes pour la moto. Alors, Wenge musique, c'est quoi? Ben, c'est ça, on va dire qu'est-ce que le Wenge a apporté. Déjà, la musique à Congo, hein. Alors, Wenge a apporté une sonorité qui est spéciale dans Wenge musique. C'est-à-dire que si ils ont bêta, ils ont un groove, mélangé entre Viva la Musica, Victoria Ellison, Zaiko Langalanga et un peu de son, il y a l'époque, il y a pop. Alors, il y a même un groove, il y a Wenge Musica. Ça, c'est un. Donc, en termes musicaux, il y a un groove. En termes musicaux, il y a Wenge Musica. Aujourd'hui, la musique congolaise, et même dans la musique, il y a le générique. Au moins, le générique, c'est que une animation avant. Avant. Animation avant qui caractérise l'album. Avant, c'est quoi? Ils sont à Betty, Tina Souka. Animation à Katanzi. Il y a Seben. Wenge Musica, en termes de groove, il y a un générique. C'est-à-dire qu'on met de l'ambiance bien avant. Donc, première que c'est ça. Et même, il y a un générique dans l'album. C'est Wenge Musica. C'est Wenge Musica. Avec Ngoba Magi. Donc, ça, c'est le générique. Et Wenge Musica, générique. Ce qu'on montre, et comme à l'époque, avec son album, comment on a Maya. C'est-à-dire que Maya, c'est une chanson. C'est une chanson, oui. Alors, ce que pour moi a un impact, par exemple, il y a un générique. C'est-à-dire que là, avec où il y a le guitare solo, les alicolos, musique, les saccadée et qu'il y a beaucoup d'ambiance de groove et de son, notamment Atalaku ou bien Bamo. Et Lokoana, ou Wenge, mais Miango, comment est-ce que c'est tout, Bazo Betango. Tilelo. À part ça, maintenant, c'est parti avec quand il y a un niveau Afrique et quel niveau il y a coupé, décalé. C'est-à-dire que dès qu'ils ont guitare moko aiguë, bah trouver musicalité moko, bah tiens maloba et comme ils sont. Mais oui, générique. Donc ça encore, tout ce que tu vois comme aujourd'hui, DJ Arafat, tout ça, ça dérive de ça. Ça dérive de ça. Alors, même les premiers DJ, DJ le bosso DJ Kaloji. Donc alors le mot Atalaku aujourd'hui est repris na Côte d'Ivoire, parce que j'ai travaillé avec des artistes ivoiriens et arrivé dans la Côte d'Ivoire. Donc, même à partir de Lokoana, ça a créé tout un style qui s'appelle le coupé décalé, qui a amené à d'autres styles, même les afro R&B, même à Inosibiozo, ça là. Ça dérive de ça. Ça dérive de ça aussi. Ça dérive de ça. Donc, au moins, musicalement, ils ont rapporté ça. Alors, normalement, musicalement, Yenango. Alors, à part ça, culturellement, Yenanini. Culturellement. Au moment où Wenge Musica, Bazaki Bana y a cité. À l'époque, il y avait 2 classes sociales. Bana Pedia Bata Mongo Bana Bagombe. Na Bana Batata Mama Bande Goba Vana la cité. Alors, il y avait un orchestre Batu. Ok, Batu Mongo Bana Koto, Batu ya Batata Mama de Koto. Mais Wenge Musica a réussi. Il y a Kosangisa, il y a mettre un pont. C'est-à-dire qu'entre Bana Batu ya Mongo, Nabana Batata, c'est-à-dire que c'est un pont moro social. Donc, tu peux pas aller, yo, au outil jeune, au outil cinéma, aucun concert à Wenge Musica, aucun à Emile Koulia. Aucun concert à Wenge Musica, aucun à Saddam Hussein. Alors, c'est ce qui fait que, ébrasser ma classe sociale. Ça, c'est Wenge Musica qui a réussi à faire ça. Ce qui a fait que ça a même décomplexé les classes sociales. Donc, ébrasser la classe sociale. Troisième chose, non, ça analyse mon sociologique. Hein. Ouais, ouais. Troisième chose, et logo, et tout le monde qui entend, il y a un mouvement là, Wenge Musica, c'est que, Bissot par exemple, tout ça qui n'a aux alentours, tout ça qui n'a banalou, moi, ils ont encore décomplexé la musique congolaise, notamment les jeunes. C'est que, ça que je veux dire, c'est peut-être terre à terre, mais c'est pas terre à terre, mais en termes par exemple de. Il y a courage, il y a matérialité, il y en a matériel. C'est qu'à l'époque, papa et Bazalaki, ceux qui vendent Bazalaki, mais Wenge Musica, tant que tu as un bandal, tant que tu as un petit poteau, tant que Zongi, ils avaient 20 ans, Longwe par la bango, comment foutre là. Donc on a vu des grands frères de quartier, pour prendre un petit grand frère de quartier, Longwe par la bango, comment foutre là, comment foutre là, dans ma campagne. Et puis ils ont courage. En termes aussi, c'est un moment de quinoa. Au moment où tant que Jimen Pierre Nawerasson, les deux leaders, il y a Mercedes. Alors que Moutouka Mercedes, ça c'est pour nous dans la tête, c'était réservé aux politiciens, aux hommes riches. Oui, à une certaine classe. Parce qu'on a compris que
tokoki koza accès loko wana. Donc ça nous a donné accès na biloko wana. Et ça nous a donné courage. Troisième chose, à part d'abus accès wana, au moni baeko décomplexer biso, ba décomplexer ba jeune. Et puis baeko changer image un peu il y a musicien. Parce qu'à l'époque, zaiko zaiki nango, ils ara moins classique. Mais le groupe est aussi dans le ring, c'est-à-dire que vive la musique, Victor Reyes. Mais malheureusement. Et il y a caché la musique, il y a malheureusement, il y a caché la musique, il y a un radium, il y a un pantalon, il y a un musique, et il y a un jeune en bas, un diplôme d'état, il y a un combat à l'université, et qu'il y avait une certaine qualité d'éducation, d'où ils ont ramené le terme bon chic, bon genre. Bon genre. C'est-à-dire que dans la tête ça va, mais dans l'esprit aussi ça va. Ça va. Il y a cohésion. Alors, musicalement, c'est le dernier boys band, Oebima. Donc, il y avait une cohésion entre eux, et ça là que ça. Ils avaient une groove via jeunesse. Donc, ils ont amené le son, ils ont amené le style, et socialement, donc, il y a plein de choses autour de Baké. Chaque médaille, son réveil. Mais, Wenge Musique a ce mérite-là. Et puis, il a quand même eu le mérite. Il y a un star system. C'est-à-dire qu'avant, nous avions des vedettes. Mais Wenge Musique a un star system, c'est que ils avaient tellement un ego, ce qui est bien, ils se sont projetés à devenir même grands aux hommes là. Alors, ben on a un star system que Tozoa, star bien sûr à l'international comme Papa Wemba tout ça, mais dès l'intérieur le groove qu'ils ont amené, c'était quelque chose. Et puis en tant que Nanning par exemple, il y a commune par exemple, et au moins, il y a une émulation dans la commune. C'est ça qu'à un certain moment, chaque commune fait base dans un groupe de bango. Donc il y avait Wenge Musique dans la Lungwa, aussi l'Avenir Esthétique. Dans Lemba, on a touché Gombe. Dans Gombe, on a Flash Musique. Dans le niveau à Binza. Mais au moment où le mouvement des jeunes avait tellement réussi que ça a influencé même la musique et le groupe Wana. Ils ont raté dans Brazzaville. Ça a créé Extra Musique. Extra Musique, ouais. Extra Musique qui est la copie conforme de Wenge Musique. Copie conforme, mais donc tu vois, malgré qu'il a trouvé sonorité là-bas. Donc il faut dire que sur le plan musical, sur le plan culturel, sonographique et phonographique, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un travail et ils ont connu une génération. Ils ont connu une génération et ça dit que génération dans le comme 50 ans, Koli, Bisso et Tozokende. Donc c'est quand même quelque chose dans laquelle nous avons été bercés. Donc, ils ont patrimoine Nabisso, ils ont patrimoine Nabisso. Mais qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui dans le concert le 30 juin et M. Bazobeta, on s'est retrouvé. Bazali wana tomoni Ale Maka Bazali, Jubem Pianazali, Blaise Boulazali, Ouéranson Nazali, Adolphe Dominguez, Emelia, Kumumanda Chante. Bon, ne sais pas parce que dans mon image, Moro Yamochoa. Alain Pela, parce que moi je ne vois pas que concert Wenge Musique sans Alain Pela. Je ne le vois pas parce que dans un monde, ceux qui ont Zangi, ils ont la Kati. Alain Pela, tout ça, c'est vraiment Pela, donc, afin de faire Azala. Ceux qui ont Zali, ils ont dit que ceux qui politiques, ceux qui sont nini, c'est un musicien, ils ont dit que Azala Moussala, ceux qui ont dit que Moussala, ils ont dit que Atika Moussala, ceux qui ont dit après, ils ont dit que Akende, Azala Moussala, parce que Zali Wenge Musique. Mais conseil, c'est que le 30 juin, au Rolobani, il n'y a pas de musicien. Le message européen, ça peut être qui nous tout, Bazolanda. Est-ce que d'abord, on a tout le monde qui est d'accord que le concert est le 30 juin? C'est quand même 30, les 30 juin, ça fait indépendance. Évidemment. Il y a un combattant, un concert. Non, évidemment que tu confonds. Au Moni, même le 30 juin, le 30 juin 1960. Dis-moi indépendance, cherchez Bétegui. Merci. Indépendance. Donc, musique, vous savez déjà. Musique, vous savez le 30 juin. Et puis, musique est accompagnée. La musique, il faut que au-delà, il y a l'émotion. La musique nous accompagne partout. Sauf moi, on a beau t'aimer, on a beau t'aimer musique. On a matin, la musique est allée. L'église, la musique est allée. Aux olives, la musique est allée. Donc, et puis, ne focalisons pas. La vie ne va pas s'arrêter parce qu'un groupe a joué un concert.
La vie continue. La vie continue. C'est parce que toi tu regardes ça loupe moro, c'est une image grossissante de loupe moro boyé. Mais la vie s'arrête. Non, c'est un concert qui va jouer pendant 4 heures, 5 heures du temps. Pour la vie va continuer. Mabi est na est va toi ko faneni na Kinshasa bobe ta concert bobe ta musique. Né il fallait bo fa na calme tout tout tout. Mais il y a même un concert qui est prévu na Goma le même jour. Le 30 juin. Le 30 et le 31 le 30 non, il y a même un concert encore na Nine. C'est que écoutez Il y a aussi un gars qui me rappelle là que non, le festival Amani. Et ça, il y a festival Amani, ils ont concert à musique. Ils ont concert à musique dans l'Est. Oui, c'est-à-dire que c'est dans l'attitude qu'il faut avoir. C'est dans l'attitude qu'il faut avoir. C'est vrai qu'ils ont écouté à un moment très, 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 très délicat, très sensible. Et puis, mais jour à fête d'indépendance, il y a beaucoup de. C'est-à-dire, au moins, fête d'indépendance, il y a beaucoup. Il y a un programme. C'est-à-dire que le programme est ramarambé. Normalement, jour en Ogoto, tout le monde en est le 24 juin, ils ont qui fête nationale à Québec. Il y avait plein d'activités. Plein d'activités, discours. C'est-à-dire que ma commune est organisée comme le monde. Organisée danse, la musique, tout ça. Oui, donc il y a plein d'activités qui s'organisent pour célébrer ce jour-là. Mais en même temps, c'est-à-dire que Bangomo va nous mettre à concert, on l'a dit que tu mets à concert dans le contexte Nini. Alors, je vois de plus en plus, ils sont conscient dans le contexte voilà. Et que même ils disent que 40% va passer ça pour nous soutenir. Ouais, c'est-à-dire que le programme est bimagi avant que attaque Oyo et ya donc le programme est bimagi avant. Donc pour moi, je pense que il faudrait même attendre au seul roi Tobo s'en attendre que il y a ce combat là laisse. Mais ça voudrait pas dire que le monde va s'arrêter parce que Wenge Musique va jouer 4 heures, 5 heures. Il faut pas faire un effet grossissant Webi que je te dis, la guerre aux Ukraine par exemple, mais. L'Euroshow, l'Ukraine, va bimi premier. Eurovision, qui est un concours de musique, c'est les Ukrainiens qui ont gagné. La qualification à Coupe du Monde, l'Ukraine va gagner. C'est-à-dire que ça paraît paradoxal, mais Totikago, c'est un musicien. Bon, je suis artiste moi-même. Mais Totikago, l'aide, ça. L'artiste, c'est Ngambouze Bangoti. Merci. Chargeuse à Bangoti. C'est parfois très grossissant. Ouais. Mais je comprends le fait Wanake. Au Monaco, c'est un effet festif. Oui, ça fait que ceux qui ne seront pas pour ce concert, ils ont le droit de rester et de dire qu'effectivement, qu'on a telle période, un tel événement, c'est inapproprié. Ils ont leur droit. Ouais, ouais. Et ceux qui veulent aussi que le concert joue, ils ont aussi leur droit. Donc c'est aussi ça. Ce parce que pour moi, et 4 heures, Wana, Betty, oui, tout ça toujours en mécanisme de l'ébouche, tout ça. Tout ça toujours pour la bande de connexion. Est-ce que vous soutenez l'armée d'Abisso? Non, pour l'armée, ils ont changé et le remonter. D'abord, c'est leur métier aussi. C'est leur métier. Parce que ça, ils ont un salon d'abord, autant que ça va en avant. Ils font passer un message par ça aussi. Ils font passer un message par ça en disant que message à mobilisation, message à paix, message. Donc, bref, je sais que ma musique et mes maras, les gens sont tellement émotifs, le maras. Oui, mais les gens continuent à faire leur travail. Voilà que concert, il y a Wenge Musica, ils ont bêtement. Ça, bien sûr, tu l'oublies que concert, tu as cinq que concert est bêtement en haut. Donc, en fait, tu es là où tu as cinq, tu as déjà qui n'ont pas qu'une et belé au Basali Kuna parce que pour nous, c'est les fêtes, il y a les 30 juin où tu as allé commémorer. Les martyrs de l'indépendance, ils allaient faire occasion malade, mais plutôt qu'ils ne gouna tout soutenir parce que mon euro foot na stade 40% n'ayango, ils ont qui est FRDC pour nous soutenir pour bah militaire n'importe quoi. Oui. Donc c'est une occasion que stade ouana est là plein pour tout que nous parce que moi la nouvelle génération elle est là, bah ils au bas ils mettent la musique est là. Papa n'angaï, mingi bah ils t'as couru le coup fa. Coral a royé Mekoufa. Coral a parce que le Pentagone est bien concerté. Hein?
Mais en même temps, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'aller voir ce groupe-là, mythique jouer. D'aller voir le groupe jouer. Et puis, bon, c'est, ça reste de la, pour moi, ça reste de la musique. Voilà. Il ne faut pas qu'on aille au-delà de ça, ça reste de la musique. Un concert, aller voir, ça fait partie des festivités. Ils ont le droit que j'aurai le 30 jours à férié aux Oglanda qu'on a eu au lieu au Tché Musique na Radio. Mais moi, ce qui m'étonne, que nous, les Congolais, on est tellement émotionnels, tellement trop sentimental. Et on pense que et les gens veulent imposer leur façon, leur manière de voir les choses et ça la générale pour naba, et ça la généraliser pour tout le monde. Non, ceux qui montent à Renobet à concert na inga ça toujours bas combattant. Bozana pour ça que musique et beta t'es la meilleure façon yaro et ali ya ko boycotter ko bosse ma billette bo batwa ki ndete bo ça la contre campagne. Bah tu vas contacter ceux qui vont réussir là que non voilà mais ceux qui montent dans la poste à se déplacer à qui ne la concert bon que nos petits cahiers à qui ne parce que bon y habiter bah stress ni nazarin non y a mon papa nga na monique bah tu vas documenter tout mingi après banda bah concert ici là na poto bon on moni les Cambois là par exemple les Cambois là il y a groupé sa musique c'est que on moni punition sur le ça moni punition. Il faut que ça approprié faut en attendre en gros. C'est que bateau bah initié qui les Cambouana notamment Europe Exa Musique ils avaient des raisons à l'époque et il y avait une mobilisation générale. Générale. Et qu'il y avait une raison à l'époque et bah raison wana malheureusement avec le temps bah raison on est s'est vidé. Raison on a vidé substance en gros. Et qu'en même temps ça paralysait un secteur qui était un secteur musical des gens qui vivaient de leur musique, qui vivaient de leur métier et par des secteurs bon. C'est-à-dire que aujourd'hui 10 ans plus tard il faut chercher de nouvelles raisons. Mais ma raison, c'est qu'on a vidé toute substance. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle la lassitude. Les gens se sont lassés finalement en disant que est-ce qu'en continuant à boycotter notre propre musique, est-ce que ça change quelque chose dans le vécu de la population congolaise? Non. Non. C'est des personnes qui, auprès de qui il faut faire pression, c'est les politiciens. Ouais. Auprès de qui il faut faire pression. Mmh. C'est vrai que à l'époque, on reprochait aux musiciens d'avoir chanté pour l'ancien régime. Mais l'ancien régime est parti. L'ancien régime est parti, on disait que Kabila dégage. Kabila dégage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moins, dans chaque combat, il faut repenser maintenant la stratégie de combat. Donc ce qui fait que le quoi, leur stratégie de combat, ils ont sauté. Et que malheureusement, maintenant, ce que l'image à combat est comme incarnée par une ou deux personnes qui distillent leurs propres idées et qui se pensent porter la charge de Nyonso et à Congo. Non, les Kamba Congo est allé battre Nyonso surtout. Mais en même temps, je dis c'est la démocratie. Ceux qui veulent que musique est bêta, ils ont leurs droits. Ceux qui ne veulent pas aussi peuvent continuer dans leur démarche. Mais c'est ça, c'est la démocratie. Ce n'est pas imposer telle chose. Mais il faut que tout le monde, au-delà de ça, on soit conscient. Football, le Betaraz, Nani, Léopard à Betaraz. Léopard à Betaraz. Léopard à Betaraz, battez le Ménabon, tu peux voir. Est-ce que tant que le Léopard à Betaraz, on va se pélarder? Mon stade, on va se pélarder. Donc, il y a quelque chose, il y a. Au moins, il y a un raisonnement par procuration, photo boy. Raisonnement par procuration, il faut raisonner à un moment où il y a. Toutes les personnes ne réfléchissent plutôt. Il y a raisonnement par procuration. Or, il faut monter ça là. Donc, il faut à un moment donné monter ça là. C'est que ce qu'on dit, en même temps, ils ont dit que c'est un fils de toujours réfléchir ensemble. Mais je pense que, dans le moment où ils ont toujours ça là, et que ben là peut-être que il faut continuer à mobiliser la population notamment pour ce qui se passe pour que les gens restent conscients. Mais il faut dire aussi le bon côté il y a les Camboyo, c'est que ça a amené une certaine conscience patriotique et citoyenne. Parce qu'au moins il y a et le moment c'est même là au combien même voilà ça c'est au moins pour bah toi pour toi cara monsieur Guinan pour toi on a bon cara on peut m'inquiéter. Ça date quand même bon ça commence à dater 15 ans quand même 10 ans c'est beaucoup à l'époque sur au quotidien na salon na Paris na au quotidien na Bruxelles bon discuter à la musique alors parce que les lieux de rencontre c'était mais à partir il y a 2010 discussion comme il y a politique. Parce que là encore c'est une analyse, c'est lié à plein de choses. Moi, quand je change de bref, pour tous les gens qui ont été il faudrait que stratégie et ça la changer et que utiliser aussi tous les canons pour mobiliser. Utiliser tous les canons pour mobiliser. Le plus important, c'est mobiliser la population, que ça soit conscient et surtout que les autorités politiques soient conscients
bas à la conscience que Mboka ils ont tamboulaté. Parce qu'en même temps, ce qui énerve, au moins, c'est ce qu'on colle encore aux musiciens, c'est que ils chantent malheureusement ceux-là qui pillent la nation. Voilà. Pas si on a. Mais musiciens vont changer. Pas si peu, on a vraiment laqué. Mutazoyi, babino kono na bazuku musiki na prêtre. Pas si ce qu'on a, mais y a ce qui passe à passer pour que on dit que mais en ce moment-là, bâton a fallu interpeller Bango, mais bino. Et puis, quand on yemba yemba bango wana, il y a un peu de Tukanda. Attends, mon ça, ma banga, mais les mêmes personnes que vous chantez à longueur de journée, c'est les personnes qui sont citées là-bas. Et ces personnes-là, malheureusement, ils font partie de Obazo, faux soyeur en Mboka. Donc, on dit que c'est comme si. Ils étaient encore une fois complices parce que bozo yemba bato bazo yiba. C'est là où ça énerve. Pourquoi vous pouvez chanter des... Donc là aussi on peut comprendre que position que non mais arrêtez de chanter ces gens-là, arrêtez alors que bango besu ba besa raisonnement moro boy. Soto yemi bango te to leneni non, c'est un cycle. Et comme un cycle compliqué. Donc ça aussi donc pour dire que de toutes parts il y a des raisons valables que les musiciens continuent malheureusement à glorifier, à chanter Bato Bazo Beb Zamboka, Bato Bazo Yibamboka. Et ça, ça énerve parce que quand on voit la situation du pays, il y a quand même des gens qui sont responsables. Et que si ces gens-là, ils ne font rien pour la population, ils ne font rien pour la population, ils ne font rien pour la population. Bon, le coup, tu as attaqué Bato Likolote, tu as attaqué Bato Likolote, Bato Likolote, proche. Mais en même temps, je pense que l'heure est arrivée pour moi. Je pense que l'heure est arrivée qu'à un moment donné, chacun mette un peu de l'eau dans son vin et que stratégie, il y a redéfendre un mot à échanger. Mais pour le concert du 30 juin, qui était déjà un concert prévu, donc moi je trouve que ils ont le droit de jouer leur concert. Ici, voilà, le 30 juin 2022, il y a donc dans quelques jours, dans 3-4 jours, donc il y aura au stade de Martyr de la Pentecôte à Kinshasa le concert, le méga concert de Wenge Musica, le retrouvaille de Wenge Musica 4x4 tout terrain, BC Bonchik Bonja, Otiete Mbomonyango, Otiete Mbomonyango, Bada Wenge, Balega Mystique, Bada Wenge, Balega Mystique, mais si bien que Bada Wenge, bah ça là, bah Fabrice, bah commissaire, bah monsieur Mingis, grand star, bah changer ça, bah donner la musique. C'est grâce à Wenge Musica que Papa Wemba a renouvelé la vie à la musique. Oui. C'est grâce à Wenge Musica que Koffi Olomide est longuement là-bas, Boubou. Oui. Alonga, Oma, Mélissa. A comment une influence. Influence, on a même d'avoir créé le quartier latin. A créé quartier latin, comment mon pao, mon conjoint, tout le monde a gagné. Et a même encore l'influence, là, pour moi, comment ils ont eu l'impact autour de ma groupe Zagiba Mikolo. Au moins que. Même Banaok, Banaok, je vais renouveler. Ma côté, même Dombolo, même Zaiko, au créé Laser, tout ça à cause d'influence. Je veux dire, la pression de Wenge, Empire Bakuba. Empire Bakuba, Delta Force. Delta Force, la pression encore de Wenge. Donc, Wenge Musica a une influence makasi. Et qui n'a pas le mission tour, tout le monde va faire, va falli. C'est toujours le clan Wenge qui continue. Oui, parce que ça, c'est la même fibre. C'est la même fibre, quoi. Ils ont continué. Donc, Wenge Musica, tout le monde est là, parce qu'ils ont, ils sont encore là. Et ce qui est encore beau, que Bango Soubaza vivant. Ouais. C'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, voilà, 25 ans, tout le monde est là. Na bango akufi bango no sobazali vraiment toke ne tobo kele bango suba fleur vraiment mon kako soir c'est ce nos artistes nous c'est ce nos artistes, artistes. Qu'est-ce que nego na ngai toza ba nous sommes des congolais nous devons valoriser nos artistes ce sont nos artistes vous nous tala biso za na Canada a to na Québec a wa ko Céline Dionko nzambe nzambe na bango na nenga musique donc nenga osakanate donc zo mona non so bazo balika monaye donc c'est beaucoup avec beaucoup de respect même ces gens malades ont annulé ma concert ou quoi non ba kolobanga na ndenge moka malamu ka parce que c'est une réussite il y a Québec icône nationale une fierté nationale donc ba wenge musique na baza ba fierté nationale na biso ba Koffi Olomide wana papa to ko loba na biso to ko critiquer baza ba fierté nationale il faut te soutenir te protéger artiste na biso artiste mon qui a la raté. Mais biso on va passer à la longueur de la journée ko finga bango baza boye mais to na banda ko na sote ko musique na bango ba musique e belé ko ka pena fandi pena boye o trouver solution na kata nzembo o trouver lika mo ma bala boye sa sangana pona manzemba ko fi e belé o ke pena boye
C'est une poésie chantée, c'est un vecteur à mémoire, c'est un vecteur à émotion, c'est un vecteur à message, c'est un vecteur à mobilisation. Au moins, tous aura musique dans les gens qui ont wingé. Zone musique, au début, tu as un zamba, fallait pas yimba pour se donner du courage. Même ma soda, voilà, ils sont dans le yimba toujours. Au moins, même dans l'armée, il y a une section musique. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose dans la musique qui est entraînant. Un défilé au Cameroun, même le hymne national, c'est une musique. C'est une musique. C'est écrit. Sans les musiciens, bah, la musique fait partie de la vie. La musique fait partie dedans. Donc, le moment où nous sommes, nous avons battu, comme nous avons Wenge, comme nous avons Empire, comme nous avons Moïse Mbille, comme nous avons Mike Alambay. Mais la musique elle-même, ça fait partie c'est de l'identité. La vie. C'est l'identité, c'est notre identité. C'est une respiration. C'est, voilà. Ça fait partie de la vie. Au moment où regarde, la musique est partout. Au moins, même à ta, pour M. Banda, générique dans la musique. Pour M. Banda, générique dans la musique. Au moins, même si je suis avant vous, je suis un peu plus simple. Je suis un peu la musique fait partie de nous. Donc, la musique, c'est dans sa diversité. Dans sa diversité, il y a une musique de chant. Il y a même une musique de guerre. Il y a une musique de guerre, il y en a. Il y a la musique de guerre. Donc, musique, ils ont. Et Ali, ça fait partie vraiment de la vie. Et au moins, dans le même barbaque, les anges jouent de la musique. Donc, la musique fait partie. Encore une fois, je vais me répéter, Motomoro Tago vivre sans musique. C'est fou, hein? Mais il faut prendre ça dans le premier degré. Motomoro vivre sans musique parce que ça nous accompagne partout. Partout. Partout, partout. Ça, le chant, la musique. Donc, il faudrait à un moment donné. Tempo, tout à l'heure. Donc, à un moment donné, c'est que Moutou et Salomon, je comprends beaucoup. Frustration à Batou, Kanda, la colère, tout ça. Donc, ça énerve. Mais je pense qu'il est grand temps que musicien, en tout cas chanteur, musicien, qui sur population, surtout dans l'économie de la diaspora, on vous reproche. Donc on vous reproche de ça. Je pense que 10 ans, il y a boycott, vous avez compris. Quelle était la frustration, quelles étaient les recommandations, il y a Bandegonabino. Et nous, vous avez compris. Mais nous, ça l'effort, il y a changé quoi. Voilà. Arrêtez à Royembe là, toutes les personnes condamnées. Arrêtez un peu. Mais quand bon, on ne peut qu'autant la position, parce que 10 ans après, je pense que tout le monde a compris que Boti Gana peut maramouana et Royembe là, Yembe là, Batou. Mais bon, c'est leur métier en même temps, qui vive la musique en même temps. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique Boîte à musique, parce que nous avons parlé aujourd'hui des Wenge Musica, donc avec leur concert au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Donc allez acheter vos billets, remplis, que le stade soit rempli pour honorer la culture congolaise, la musique congolaise qui sera à l'honneur ces 30 juin 2022 à Kinshasa. Vraiment, merci beaucoup. Et coup de chapeau, Tosengi, Tobeti Mokako Soa, Nama Mission, soit Wenge Musica, Bisika Bozali, le groupe Wenge Musica au grand complet. Tietembe, au Moniango. Bah, on peut pas jouer occasion, ma Bengi Bangote, Boza, Bofumo, la Moutema, parce que c'est la famille. Nakat, un match. Il y a joueur qui sont belé, mais les joueurs sont bêtes à côté. Il y a 22 joueurs, mais 11 gars. 11 gars sont bêtes. Attends, c'est une réserve. Moi, je ne peux pas changer. 11 gars sont bêtes, c'est un match ici, 90 minutes. Mais il y a un match. Il y a une médaille. Tout le monde a une réserve. Il y a une réserve, mais il y a une médaille. Donc, le coup, moi, je suis dans le clan Wenge. Donc, tu sais, dans le bâtiment, tu as une musique. C'est un spectacle. Après 4 heures, ça va. C'est fini. Voilà. Donc, la vie ne va pas s'arrêter avec ça. Donc, merci beaucoup. Allez vous abonner massivement dans notre chaîne Pierre Bonheur TV et dans notre page Facebook Pierre Bonheur TV officielle. Activez toujours la cloche de notification pour ne rien manquer. Que vive la culture, vive la République démocratique du Congo. Et on vous dit merci et au revoir. Ciao. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pefoner TV.
Papa Patience Payulu, Papa Bonheur. Quelle initiative! Lekele. Batatu Bamabu. Loi pour. Kele. Bef Bonheur TV. La nouvelle chaîne. Abonnez-vous.